Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Gamer en Carton pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je suis avec Camille qui est en train de filmer. Coucou. Coucou. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une sortie du Tesla Owner Club pour que vous voyez à quoi ça ressemble un petit rassemblement. Donc, le programme du jour, c'est un rendez-vous à Auterive. Alors, je crois qu'à la base, il s'était donné rendez-vous au superchargeur du coin, si je me trompe pas. Exactement. Voilà, mais donc nous, vu qu'on habite plus près du second point de rendez-vous, ben, on n'est pas allé au superchargeur. On va direct au second point de rendez-vous. Et donc, le petit programme du jour, c'est visite d'une centrale hydroélectrique et puis petite balade en Tesla et pique-nique, si je ne m'abuse. Alors, tu t'abuses pas. En Ah, fait, si je ne m'abuse pas. on profite, le Tesla Owner Club Occitanie profite des journées du patrimoine hein, qui sont ce week-end pour nous faire visiter à Auterive une centrale hydroélectrique qui, a priori, est monument historique également. Voilà, donc tout est super organisé. On a un petit pique-nique ensuite sur place et ensuite on a une balade dans le Lauragais, très belle région puisque c'est par chez nous. Voilà, avec des petits points d'intérêt. On a un village un peu médiéval, je crois. Enfin bon, on verra ça au fur et à mesure du coup de la vidéo. On vous montre ça. Et comme d'habitude, à chaque fois qu'on fait une sortie filmée, le soleil nous accompagne. Ouais, faut voir combien de temps, hein, mais Non, mais attends, on est à deux doigts de se prendre un orage, oui, mais. Non, 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 Ah, non, non, on comment a de ça la va? chance, il a plu tout hier et aujourd'hui, ils n'ont pas prévu de pluie pour l'instant, donc Bon, ça va, écoute, on verra. ça va le faire. Tesla au même endroit. Ah bah oui. Non, ah bah là, oui, là. Contente. Ah c'est marrant, c'est marrant. On a plein de copines. Ah bah là, il y a là plein niveau de gars, copines, il y a plein je de pense gars. que. Ouais. Où là? Eh ben on va au lac de la Ganguise. Donc on continue notre petite journée Tesla tranquille après les visites du matin et le pique-nique entre membres du Tesla Owners Club. Mais l'après-midi c'est consacré à une balade avec tout le groupe en Tesla pour profiter des voitures, profiter du paysage et s'amuser.
voilà sur le chemin du retour. Donc on a passé une excellente journée en compagnie du Tesla Owner Club et de tous les adhérents. Donc du coup c'était super chouette. On a passé la journée à faire des petites balades, des petites visites, un pique-nique. Donc on est allé donc à Haute-Rive visiter une centrale hydroélectrique et la manufacture royale. Ensuite on a pique-niqué sur place, on a été extrêmement bien accueillis, vraiment très bien accueillis. Ensuite on est allé se balader au seuil de nos routes, au partage des eaux, donc c'était très sympa aussi. Et là dernièrement on était devant des éoliennes à Avignonnet-l'Auraguet, très chouette, voilà. Donc en fait on a voyagé en convoi, on a eu plein de temps aussi de pause pour marcher, se reposer, discuter aussi entre nous, voilà, ça a été, on a eu plein de bons conseils, des idées de sujets à traiter, voilà, on s'est vraiment bien amusé, donc c'était une très chouette sortie, on remercie vraiment beaucoup, alors notamment Barbara et Philippe qui sont les organisateurs, hein, et puis tous les participants, voilà, on a eu des moments de partage vraiment super qu'on a beaucoup apprécié, alors du coup, Cédric va vous dire ce que lui en a pensé. Moi, très bonne journée, très agréable, avec des gens tous très sympas, avec qui on a discuté sans souci, vraiment une très bonne ambiance, petite ambiance, je cherche mon terme, une ambiance amicale et bon enfant, non, vraiment, c'était vraiment super, et on a vraiment beaucoup aimé avec Camille. Donc encore une fois, très très bonne sortie avec les copains du Tesla Owners Club. Et ben, je recommande, hein, forcément, puisque nous, à chaque fois, on y prend du plaisir et ça nous plaît. Donc franchement, si vous voulez passer des bons moments, profiter de votre voiture, rencontrer des gens sympas, n'hésitez pas, inscrivez-vous au Tesla Owners Club de votre région. Nous, en l'occurrence, ben, c'est Occitanie. Voilà, si vous voulez faire des sorties avec nous et tous les autres copains, ben, n'hésitez pas. Voilà, on a été heureux de faire cette vidéo encore une fois. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas pour nous encourager, entre autres. N'hésitez pas aussi à commenter et à poser des questions si vous en avez. Avec Camille, on se fait toujours un plaisir de vous répondre. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et nous, bah, on n'a plus qu'à vous faire des petits bisous et à vous dire à la prochaine fois, c'est ça? Ouais. Du coup, ciao, à bientôt.